En mathématiques, nous allons poursuivre le travail que nous avons commencé sur les familles de nombres. Donc, on a étudié plusieurs chefs de famille, le chef 10, ensuite le chef 20 avec deux dizaines, le chef 30 avec trois dizaines, le chef 40 avec quatre dizaines, et on s'était arrêté au chef des 50 avec cinq dizaines. Donc, on avait appris à compter de 10 en 10 en utilisant les doigts de sa main. 10, 20, 30, 40, 50. Alors maintenant, on va s'intéresser à la nouvelle famille qui est celle des 60. J'ai agrandi un petit peu ma frise numérique pour justement faire apparaître la famille des 60. Alors, la famille des 60, elle est un peu compliquée parce qu'elle est plus longue que les autres. Comme tu le vois sur la diapositive, j'ai encadré non pas une seule ligne, mais deux lignes. Pourquoi? Parce que la ligne où il y a six dizaines, c'est la vraie famille des 60, on va dire ça comme ça, c'est celle qui succède à la famille des 50. Donc nous avons 60 avec le 6 en chef de famille au chiffre des dizaines, donc 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Et en fait, quand on continue de compter, on se rend compte que la prochaine famille, eh bien, on entend encore le mot 60 à l'intérieur. Donc, nous nous sommes arrêtés à 69. Si je continue, ça donne 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Donc là, on entend encore le nombre des 60, sauf que cette fois-ci, on n'est plus dans la famille avec le chef de famille 6, mais on est passé à la ligne du dessous avec le chef de famille 7. Donc tout ça c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça qu'on va y aller progressivement. Donc aujourd'hui, pour étudier la famille des 60, on ne va s'occuper que de la ligne avec le 6 au chiffre des dizaines. Cette famille des 60 avec le 6 au chiffre des dizaines, moi je l'appelle la petite comptine des 60. Je t'ai expliqué juste avant qu'on avait deux lignes pour les 60, donc celle-ci, on va l'appeler la petite comptine. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on va entendre la comptine des unités, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 61, 62, 63. Donc on retrouve bien les chiffres des unités, on les entend bien. Donc c'est juste pour être au clair là-dessus, aujourd'hui on travaille sur le 60 avec le 6 en chef de famille et nous sommes dans la petite comptine des 60. Donc maintenant, pour compter de dizaine en dizaine, eh bien, il va falloir utiliser ta deuxième main. Donc tu peux représenter tes mains comme je te l'ai appris au tout début et compter de 10 en 10. Donc cette fois-ci, 10 pour le pouce, 20 pour l'index, 30 pour le majeur, 40 pour l'annulaire, 50 pour l'auriculaire et hop, je peux prendre le pouce de ma deuxième main et j'en suis à 60. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60. C'est important de connaître cette comptine-là. Donc on va l'agrémenter, on va rajouter à chaque fois des doigts pour des dizaines supplémentaires. Et donc, c'est important de bien la répéter pour bien la mémoriser. Donc, comme d'habitude, les différentes représentations d'un nombre de la famille des 60. Donc, j'ai choisi 63. Donc, 63 à chaque fois, on aura dans la famille des 60 6 barres puisque nous avons 6 dizaines. Et là, j'ai 3 petits cubes. Ensuite, pour l'opération en 10 plus 10 plus, on va trouver 6 fois le nombre 10 puisque nous avons 6 dizaines. Pour l'addition simple, eh bien 63, c'est bien 60 plus 3. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la façon d'écrire le mot 60. Donc on l'a déjà un petit peu vu avec la lettre X en phonologie. Donc 60 s'écrit S-O-I pour le son wa, le X qui sonne S, le an à N et TE à la fin. Je te présente donc écrit en lettres le nombre 60. Je t'ai mis le code couleur pour savoir à quel moment tu dois lever le crayon. Donc, ce qui serait sympa, c'est que tu prennes ton ardoise, que tu écrives ce mot deux fois avec le modèle, tu effaces et tu essaies de l'écrire une troisième fois sans modèle. Le but ici, c'est vraiment de mémoriser l'orthographe du nombre 60. Alors, je ne change pas les habitudes. Tu prends ton ardoise, tu traces trois traits de façon à faire quatre cases et ensuite tu vas pouvoir représenter le nombre avec des barres et des cubes, l'opération 10 plus 10, etc. L'opération qui est plus simple, 50 plus quelque chose et l'écriture en lettres. À toi de jouer! J'en profite pour faire un petit rappel sur l'écriture des nombres composés. Donc là, 23. On a 20, on a 3 et on n'oublie pas entre les deux mots de mettre un tiret. Maintenant, c'est la règle.